Alors, le modèle 2014 est muni d'un indicateur de vitesse digitale. Alors, on ne le voit pas très bien ici parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Là, on va essayer de faire de l'ombre un peu. Alors, l'indicateur de vitesse est maintenant digital, numérique. Alors, on voit le nombre de kilomètres parcourus dans la journée, la vitesse à laquelle on va, et l'indicateur de charge ici qui est beaucoup plus clair qu'avant. Alors, le gros avantage, c'est de savoir la distance parcourue dans la journée. Alors, si on a une autonomie d'environ 50-60 km, ben, on sait exactement où qu'on est rendu et ça évite des mauvaises surprises. On a aussi l'heure qui est indiquée ici. Et on a notre fameux radio. Notre radio AM-FM, non, c'est FM, et lecteur MP3. Alors, le radio est de très grande qualité. C'est vraiment surprenant. Avec des haut-parleurs de qualité supérieure à ce qui se fait n'importe où. Alors, la radio est facile à utiliser. Ici, on est à l'intérieur, on ne prendra pas le radio, mais on appuie ici sur le bouton et la radio va jouer et le son est de très, très bonne qualité. On va faire une vidéo plus complète plus tard. Ici, c'est simplement une vidéo de présentation rapide. La vitesse a aussi été augmentée à 32 km/h, soit la limite légale pour ce genre de véhicule-là. L'accélération est toute en douceur. L'accélération se fait vraiment très doucement et c'est très agréable. C'est sécuritaire et c'est pas dangereux de virer. Pour le derrière, là, c'est sensiblement la même chose qu'avant, les énormes feux arrière et les réflecteurs sécuritaires. Par contre, en avant, on utilise maintenant des feux haut d'aile. Alors, ça évite beaucoup de désagréments. C'est tout monté sur des ampoules d'ailes. On a cette couleur-là qui est magnifique, le noir et gris, là, qui est vraiment très, très beau. Et ce qu'on ne voit pas, mais qui est en dessous du capot, on a amélioré beaucoup la suspension, d'une suspension plus rigide qu'avant, une suspension qui est de meilleure qualité et une durabilité beaucoup accrue. Alors, ça fait le tour rapidement du Roadster 2014, 32 km/h, avec le nouveau siège ou avec l'ancien siège, des nouveaux feux Odell, les freins hydrauliques, l'odomètre digital, le speedometer digital, et un grand choix de couleurs. On a encore plus de couleurs que ça, on ne les a pas tous ici, mais éventuellement, on va mettre les photos sur le site web. Et le siège aussi qui est plus haut qu'avant sur certains modèles. Et le Roadster 2014 est aussi muni d'un système d'alarme intégré. Alors, le système d'alarme, ce qu'il va faire, c'est que quand on va l'actionner la première fois, si quelqu'un touche au véhicule, le système d'alarme va donner 5 petits avertissements. Bip, 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 bip. Et si jamais quelqu'un essaye de partir avec le scooter, eh bien, l'alarme va partir sans arrêt et va bloquer complètement les roues. Alors, ça va être impossible de faire avancer le scooter sans le lever de terre. Alors, c'est maintenant en série sur le modèle 2014. Version 2014 du Roadster disponible au magasin de Montréal et Québec ou en ligne sur le site superscooter.ca.